tu es, toi ? Bah, je suis ton frère. Qui ? Je suis ton frère. Ah, je suis chez moi, là. Ouais, mais non, les références. C'est ce que faire, toi. Ouais, bah ouais, je suis chez toi justement pour qu'on parle d'un événement qui a lieu bientôt, et avec ton émission sur YouTube, là, je me suis dit qu'on pouvait en parler, quoi. Un événement ? Culturel ? Ouais, un événement. Je pense que tu sais de quoi je parle, c'est évident, ça arrive très bientôt. Bah franchement, en ce moment, à part le cinéma, je vois pas trop, parce que c'est très cinéma en ce moment, avec les films de blockbuster qui arrivent, écoute... Oui, mais bon, y a pas que le cinéma, tu vois très bien de quoi je veux parler, donc allons-y. Non, tu vois pas ? Récemment, qui pourrait arriver ? Franchement, je vois pas. Écoute, j'ai une idée. T'as une idée ? Ça me met là comme ça. On va peut-être faire un truc sur Twin Peaks, le retour, 25 ans plus tard. Ah, après 25 ans, ça peut le faire, ouais. Sur ton émission ? Oui, bien sûr. Bah, ma foi, évidemment. Bah, allons-y, hein. Faisons ça. Bah, ma foi. Coûte-toi tout cela. Allez, faisons cela. Damn good coffee and hot. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission De quoi tu parles. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec mon frère Quentin. Et salut, nous allons parler du coup de Twin Peaks, vous l'aurez compris par cette magnifique introduction. Alors pourquoi faire une vidéo sur Twin Peaks ? Twin Peaks déjà, qu'est-ce que c'est, Quentin ? Alors déjà, Twin Peaks c'est une série sortie au début des années 90 qui comporte deux saisons pour l'instant. Et pourquoi faire une vidéo donc ? Parce qu'il y a une saison 3 qui va sortir bientôt le dimanche 21 mai 2017, 25 ans après les événements de la saison 2. Alors voilà, c'est quand même très excitant, 25 ans après, on se demande ce qui s'est passé. Mais qui a créé du coup la série Twin Peaks ? Alors, il s'agit donc de David Lynch dont j'ai pu parler dans une de mes anciennes vidéos par rapport à Inland Empire, c'est lui qui l'a réalisé. Et il n'est pas tout seul pour faire cette série, il est accompagné de Mark Frost qui lui était plutôt auteur. Écrivain, il a aussi produit de nombreuses séries télé, et à propos de ça, Twin Peaks, il faut savoir que c'est la première série d'auteur, donc au début des années 90, sans Twin Peaks, il n'y aurait peut-être pas eu Breaking Bad, Game of Thrones, Mad Men, The Leftovers, House of Cards, toutes les séries que nous connaissons jusqu'à présent. Donc Twin Peaks, c'est la pierre angulaire des séries télévisées. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que c'est mythique, tout simplement. Alors du coup, Twin Peaks, c'est quoi comme support ? On a déjà donc trois saisons, la saison 1, la saison 2 et la saison 3 qui va sortir. Oui, qui arrive très vite, qui arrive le 21 mai, le soir du 21 mai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Twin Peaks aussi ? Alors c'est des livres, beaucoup de livres, et il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut noter, c'est le film Fire Walk With Me, qui a été fait après les deux saisons. Pourquoi a été fait ce film ? Parce que il y a eu une saison 3 qui n'a pas pu être faite juste après la saison 2, parce qu'il y a eu un manque d'audience, parce que la série n'a plus été programmée au même jour, du coup il y a eu manque d'audience, et le film a été projeté à Cannes, mais ça n'a pas suffi pour sauver la série, et donc voilà, et le film Fire Walk With Me raconte les 7 derniers jours de Laura Palmer. Mais Quentin, qu'est-ce que c'est ? Qui c'est Laura Palmer ? Et de quoi ça parle Twin Peaks ? Qui c'est Laura Palmer ? Donc Twin Peaks tourne autour de Laura Palmer, une jeune lycéenne connue de tous et de toutes. Elle a été Miss Twin Peaks. Oui, elle a été Miss Twin Peaks. Twin Peaks qui est donc une petite bourgade, américaine. L'histoire, c'est donc le meurtre de Laura Palmer. On va découvrir qu'elle est morte, enroulé par un sac plastique vraiment très, très gênant. Et donc le meurtre de Laura Palmer va être investigué, va être résolu ou pas, par Dale Cooper. Dale Cooper qui est l'agent FBI chargé du coup de cette enquête. Et l'agent du FBI le plus stylé qu'on ait jamais vu à la télévision. C'est Dale. Donc ça c'est l'histoire en général, mais ce qu'il faut savoir dans Twin Peaks, c'est que c'est un univers extrêmement étendu, et aussi par son genre, Quentin, le fantastique y est présent, bizarrement. Oui, oui, le premier genre qui saute aux yeux, c'est le fantastique, c'est l'une des marques de fabrique du cinéma de David Lynch. Déjà, il y a la mise en scène qui est vraiment exceptionnelle,
professionnel, il y a beaucoup de travail au niveau de la caméra, au niveau des angles de caméra. Pour l'époque en tout cas. Et oui, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de mysticisme, si on peut dire ça. C'est très, c'est propre au cinéma de David Lynch. Là, et puis même David Lynch a réalisé plusieurs épisodes, je crois qu'il en a réalisé 7 au total. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, dans la saison 3, il va réaliser les 18 épisodes. Donc, ça, Mamma Mia, ça c'est une bonne nouvelle. Le côté fantastique va être omniprésent dans la saison 3. Et puis donc, le style fantastique se ressent aussi au niveau des personnages. Oui, les personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, Twin Peaks c'est un univers extrêmement étendu, mais étendu surtout par ses personnages, parce qu'il y en a tellement, et par exemple, ils sont tous liés les uns les autres. Pour rester dans le registre du fantastique, on a le nain, oui, le nain. On a le géant, oui. On a Bob, évidemment, Bob qui est le méchant. Et son acolyte Mike, alias Gérard, Gérard alias Mike. Ouais, Mike et Gérard sont la même personne, on peut le repérer notamment... avec son bras coupé, le... C'est un manchot. Un manchot, voilà. Voilà. Puis il y a aussi la femme à la bûche. The Log Lady. The Log Lady, on préfère dire en anglais. C'est... Mais malheureusement, elle est décédée, je crois, pendant la série, juste avant le tournage, ce qui fait que on ne la verra pas dans la saison 3, malheureusement, parce que c'est un personnage très aimé. Il y a d'autres styles aussi dans Twin Peaks. L'évidence qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est un soap opéra, parce que tous les personnages, vraiment, ont leur temps de parole très important, et sont tous liés les uns aux autres. Donc il y a d'abord la famille Palmer, évidemment, donc les parents de Laura Palmer, qui est fille unique, faut le rappeler. Donc Leland, le papa, et Sarah, la maman. Leland qui est très gentil mais très perturbé, et Sarah qui est très gentille et très perturbée. Alors ensuite, il y a Big Ed. Un personnage qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup Big Ed, il est très déprimé, on va y revenir. Big Ed qui a une relation avec Norma Jennings. La serveuse du Double R. Du Double R, un des lieux fantastiques et mythiques de Twin Peaks. Mais Big Ed est marié à Nadine. Nadine, qu'on peut repérer avec son look de pirate. Oui, son bandeau sur l'œil, elle n'a pas dû aller face à avec un tragique accident qu'on explique dans la série. Mais Norma, elle, est mariée à quelqu'un. Donc oui. Norma, qui est la maîtresse de Big Ed, Norma, est mariée à Hank. Qui était lui en prison et qui revient du coup. Et oui, qui revient de prison. Et du coup, Big Ed ne peut pas se rapprocher de Norma, quitte à se faire tabasser du coup par Hank, parce que c'est quelqu'un de très très violent. Ouais, très très violent. Très méchant. Ensuite, on va parler de Shelly Johnson, qui est pour ma part ma chérie virtuelle, hein, on peut le dire, hein, Shelly Johnson. Ouais. Et d'ailleurs, l'actrice est plutôt belle, hein, d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai que elle a bien vieilli, enfin, elle n'a pas trop vieilli, c'est ça. Ouais, c'est bien. Sa page Instagram, elle est sympa. Ouais, enfin, je me la donne d'ailleurs. Oui, oui. C'est quoi, je suis pas prêt. Shelly Johnson, qui a une relation avec. Bobby Briggs. Mais Shelly est mariée à Leo Johnson. Donc là, on a Shelly et a liaison avec deux personnages complètement différents. Bobby, c'est un peu le Steve McQueen de Twin Peaks. Hein. Il est beau gosse, il est rebelle. Et... Voilà, il a peur de rien. Avec sa veste en cuir et tout, c'est un vrai beau gosse. Et puis Leo Johnson, c'est un peu le gros méchant, un peu bête qui impose sa suprématie par la violence. Voilà, donc il est très misogyne. Enfin voilà, Leo Johnson, c'est pas le mec qu'on pourrait recommander, quoi. Toujours pour Shelly, il y a un épisode très très important, très connu dans Twin Peaks. Elle a une relation avec Gordon Cole. Oui, Gordon Cole qui est joué par David Lynch. David Lynch lui-même qui est aussi apparaît dans la saison 1, mais qui en fait revient dans cet épisode de la saison 2. Oui, ça intervient très tard dans la saison 2. Donc plutôt en fin de milieu, on va dire, parce que pour préciser les choses, fin de milieu de la saison 2, parce qu'au milieu de la saison 2, David Lynch est parti en fait pour réaliser son film Sailor et Lula. Du coup, en fait, il y a eu un problème artistique, on va dire, de la part que pense David Lynch. Dans Twin Peaks. Et en fait, il s'est passé pas grand-chose, c'était pas très intéressant, même nous on voit qu'il y a un petit creux au milieu de la saison, ce qui fait que c'était pas bien. Et du coup, David Lynch a décidé de revenir, parce qu'il a dit que c'était un désastre créatif. Du coup, il est revenu, il ne réalise pas donc cet épisode. Cet épisode dont on parle, où il y a une relation avec Shelly Johnson. Il joue dedans, et bizarrement, depuis qu'il est revenu, David Lynch, eh ben, la série redémarre. Oui, il y a un regain artistique vraiment fondamental, pas parce que c'est David Lynch qui l'a recréé, mais parce qu'il a choisi de revenir et de donner encore un souffle amoureux, fantastique à tout ça, parce que la relation est très... Très charnelle, mais ça relève du phénomène, parce que la relation ne dure pas plus de 2 minutes. Oui. Mais on sent vraiment qu'il y a de l'amour entre les deux personnages. Shelly Johnson, c'est un cas particulier, mais il y a un autre cas particulier, c'est celui de Donna. Donna. Là, ça commence à être compliqué, on commence dans les personnages compliqués. C'est la meilleure amie de Laura Palmer. Donc, celle qui est le personnage qui est décédé. Donna, d'ailleurs, ses parents, son papa, c'est le médecin qui s'occupe de l'autopsie de Laura Palmer, entre autres. Et puis la mère de Donna est une personne en situation de handicap. Et elle a d'ailleurs une autre aventure, mais ça, on va pas le dire, pour pas trop spoiler. Et du coup, Donna, elle a eu une relation, ou du moins est amoureuse de James, dont
qui on n'a pas encore parlé. Ouais, James, c'est le grand romantique de Twin Peaks. On en parlera de James. Mais James, du coup, on va dire que c'est le neveu de Big Ed. Et en fait, du coup, Donna est amoureuse de James. Et il faut savoir que James, avant que Laura meure, était en soi-disant couple avec Laura. Du coup, mais Laura est morte. Et du coup, Donna en a profité. Et du coup, James se sent coupable. Et Donna aussi. Mais ils sont amoureux. Voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que James va tomber amoureux de Maddie Ferguson, qui n'est autre que la cousine de Laura Palmer. Et Maddie Ferguson est jouée par Cheryl Lee. Cheryl Lee, qui est l'actrice qui joue Laura Palmer. En fait, David Lynch était tellement attaché à cette actrice, il y avait tellement une présence de la part de cette actrice alors que son personnage est mort, qu'il a voulu la remettre dans la série avec un autre personnage, donc la cousine de Laura Palmer. Et du coup, c'est très gênant parce que Maddie ressemble à deux gouttes d'eau à Laura. Mais du coup, le fait que James tombe amoureux de Maggie, eh ben, c'est très bizarre parce que on a l'impression qu'il retombe amoureux de Laura Palmer, mais en brune. Et du coup, Donna, elle est jalouse. Elle est jalouse et du coup. Ouais. D'ailleurs, Donna, moi je l'ai pas beaucoup. Hein. Elle a un peu. Tu sais, ouais, j'ai envie de la frapper comme ça. Maintenant, revenons à Dale Cooper. Dale Cooper, le fameux héros, le plus grand agent du FBI de tous les temps, lui aussi a droit à ses liaisons. Et oui, il va rencontrer Annie Jennings, pardon, qui est la sœur de Norma Jennings, qui est donc la maîtresse de Big Ed. Donc Dale va avoir une idylle avec cette dame et ça va le conduire à plusieurs remous sentimentaux. Et mais Dale Cooper a aussi une idylle, enfin presque, avec une autre nana, et Nono va savoir de qui je parle. Il s'agit de Audrey Horne, qui est la fille de Ben Horne, ça on en y revient aussi, mais Audrey Horne qui est un peu, pour Quentin, Shelly, c'est un peu ma chérie, on va dire, de Twin Peaks. Voilà. Saka a sa chérie, on va dire. Audrey qui a même pas 18 ans, qui a la classe, enfin, là, elle est très très maligne, Audrey. Ouais. Et du coup, elle est très amoureuse donc, de Dale Cooper, mais ça peut pas se faire parce que l'un est trop vieux, a des responsabilités, et l'autre est trop jeune, elle doit aller à l'école, enfin, elle va pas à l'école, elle s'en fout. Mais bon, voilà, du coup, c'est. Personne qui va à l'école, j'ai l'impression, dans cette série. C'est un autre couple impossible, en fait. C'est ça, en fait, Twin Peaks, c'est beaucoup de couples impossibles. Et on va faire une petite conclusion après de tout ça, mais voilà, Twin Peaks, ça relève un peu du couple impossible, de l'amour indésirable. Pour rebondir sur Audrey Horne, il y a donc son père. Oui, donc le père de Audrey Horne, qui s'appelle Benjamin Horne, on va dire, en français. Ouais. Et Ben, du coup, est lui le chef, enfin le patron de l'hôtel du Grand Nord, qui est l'endroit un des endroits les plus touristiques de Twin Peaks. Oui, c'est là où se passe la majorité des scènes. Voilà, l'hôtel du Grand Nord qui a un rôle très important. Et du coup, en fait, lui, Ben Horne, a aussi à droit à cette liaison. Donc, Ben Horne a une femme, mais bon, sa femme, on la voit quasiment jamais. Ouais. Du coup, lui aussi, Ben Horne a droit à ses liaisons. Et là, il a une liaison, du coup, avec Catherine Martel, qui est du coup la femme de Pete Martel, mariée par alliance. Catherine Martel est du coup la co-patronne, la co-boss de la Syrie, qui est pilotée par Josie Packard, ouais. Qui est la patronne du coup de la Syrie. Mais du coup, Ben Horne a une relation avec Catherine Martel. Catherine Martel, du coup. En fait, se lie d'amitié avec Ben Horne pour faire couler Josie, parce qu'elle a une tour contre Josie, parce que Josie était la femme du frère à Catherine, qui est mort 2 ans avant le début de la série. Vous me suivez, je sais pas. Et du coup, voilà, elle veut absolument du coup, fermer la série pour gagner du pactole et gagner, du coup, donner du terrain à Ben Horne, qui veut faire son projet Ghostwood, un projet pour agrandir son hôtel ou étendre son empire, quoi. Tu parlais de Josie. Donc, qui est la gérante, entre guillemets, de la Syrie, mais Josie, elle aussi, a une relation. Avec qui? Avec Harry S. Truman, qui n'est autre que le shérif de Twin Peaks. Shérif aussi, qui est donc le chef, le coéquipier de Dale Cooper. Dale, voilà. Que Josie et Truman sont ensemble. Crac-crac. Voilà, ils font crac-crac. Et pour rester dans le domaine policier et dans le commissariat, on a des autres personnages. On a le major Hawk. Qui lui reste dans son coin, pas mal. Ouais, lui il reste dans son même coin. Même s'il raconte une fois l'aventure avec une de ses ex, qui est très drôle d'ailleurs. Hawk, qui est un indien d'ailleurs. Mais il est parfois moqué hein, dans la série d'ailleurs, avec ses origines indiennes. Oui, mais bon, les origines indiennes ont finalement beaucoup d'importance, on le sait d'ailleurs dans le bouquin, l'histoire secrète de Twin. Exactement. Bref, dans les autres personnages du commissariat. Du commissariat, il y a Andy.
Brennan, Andy Brennan, qui est l'un des personnages les plus comiques de la série. Il y a beaucoup de situations qui sont contre lui, et donc il y a un effet comique. Très victime. Très victime. Ouais, petite victime, mais bon, voilà, on rigole, mais on est très méchant. Et Andy a une relation avec Lucy. Lucy, qui est, s'il n'y avait pas Shelley, il y aurait Lucy, pour moi, pour ma part. Lucy, je la trouve trop mignonne, elle est... Non mais elle est trop chou. J'aime pas sa voix. Elle est trop chou, elle parle comme ça. Oh, je le fais bien. Mais Lucy a une autre relation avec un personnage qu'on n'aime pas du tout, c'est Dick. Dick, un monsieur qui est très... très en mode. Voilà. Voilà. Et entre ces trois personnages, entre Andy, Lucy et Dick, il y a une enquête qui est menée autour de l'enfant de Lucy. On ne sait pas qui est le père. Et du coup, il y a une relation, un triangle amoureux comme ça entre les trois, et c'est vraiment passionnant. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tous les couples, de tous les personnages. En gros, pour vous dire que chaque personnage ne se ressemble pas et chaque couple ne se ressemble pas. C'est ça, Twin Peaks. Oui, c'est vraiment avec la palette de personnages, l'étendue des personnages qu'il y a, parce que aussi dans la saison 2, il y a des personnages très secondaires qui arrivent, dont ils ont aussi une histoire, mais c'est incroyable dans Twin Peaks. Tous les personnages ont une relation, comme tu l'as dit, différente, sont tous différents, leurs relations sont différentes, et au final, ça rend les choses super intéressantes. À chaque scène, on passe d'une histoire à une autre, et au final, on est intéressé parce que rien ne se ressemble tout le long de la série. Les personnages de Twin Peaks sont sujets à des dérives psychologiques, on va rapidement parler de ça. Il y a Leland, déjà, on vous dira pas pourquoi. Il y a Sarah, on vous dira pas pourquoi. Il y a d'autres personnages, mais celui qui nous touche le plus par ses dérives un peu psychologiques et sentimentales, c'est Big Ed. Mais Big Ed qui, au final, sentimentalement, a beaucoup de problèmes parce que au final, il s'est marié avec Nadine. Mais elle est un peu folle. Pour rendre Norma jalouse quand ils étaient au lycée, parce qu'il s'est marié très vite. Et d'ailleurs, l'histoire de Big Ed et de Nadine est racontée dans l'histoire secrète des Twin Peaks. Ouais. En détail, et l'accident de Norma aussi, l'accident de Nadine est aussi expliqué avec détail. Par du coup Hawk qui raconte cette histoire, il me semble. Exactement. Qui a écrit un petit livre sur Big Ed, je crois, un petit livre. Et du coup, voilà, ça c'est raconté. On a d'autres personnages sujets à des dérives. On a Ben Horn qui part en délire total sur la guerre de sécession. On va pas dire pourquoi, parce que si ça nous spoil, pareil. Il y a aussi Wyndham Earl, dont on n'a pas parlé, qui est l'ancien coéquipier de Dale Cooper. Mais Dale Cooper a piqué sa femme, donc Wyndham Earl est devenu fou. Il est rentré dans un hôpital psychiatrique, mais la femme de Dale Cooper, Caroline, est morte. Donc Dale Cooper se retrouve célibataire et on a une confrontation entre les deux. Et puis on a aussi un autre cas, mais là qui nous fait plus rire, c'est Leo Johnson. Et on ne dira pas pourquoi, mais... Il a deux images complètement différentes au fil de la série, donc la première image violente, etc., cynique, et puis la deuxième, bah... voilà, bon, disons qu'il aime bien les nouvelles chaussures. Voilà. Twin Peaks, donc c'est tout ça, c'est le soap opera, c'est la mise en scène de David Lynch, c'est tout cet univers étendu, mais aussi quelque chose de très important qu'on entend tout le long dans chaque épisode, c'est la musique du compositeur fétiche de David Lynch. Je parle évidemment de Angelo Badalamenti, j'aime bien dire son nom, c'est très italien, c'est Ma che sei beau. Badalamenti qui fait... On dirait des pâtes. En fait, à chaque composition, une émotion. Il y a l'amour, le mystère, l'enquête. Voilà, on a une empreinte musicale selon le ton de la scène. Twin Peaks, c'est aussi des lieux. Oui. Il y a le Roadhouse, le Double Air, l'hôtel du Grand Nord qu'on a déjà cité. Le commissariat. La série qu'on a déjà dit. La série. Le Tibet. Oui, il y a tout un épisode sur le Tibet, c'est très drôle. La guerre de sécession aussi. La guerre de sécession. On ne dira pas pourquoi. Oui, on ne dira pas pourquoi. On rejette aussi les carottes crues, qui a un rapport avec la guerre de sécession. Et du coup, voilà, on a parlé un peu de tout ce qui fait Twin Peaks, mais alors, ce qu'on attend vraiment, c'est la saison 3, Quentin. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Déjà, que s'est-il passé pendant 25 ans? Et oui, parce que là, on va être ancré dans l'ère moderne. On ne va pas revenir aux années 90. Là, c'est 2016, du coup. Et bon, bah, ça va être fantastique. On va pas arrêter de se demander qu'est-ce qui s'est passé pendant 25 ans. Comment les personnages ont vieilli, la relation entre les personnages, comment elles ont évolué, comment les nouveaux personnages, parce qu'il y en aura des nouveaux, comment ils ont émergé. Puis bon, la saison 3, c'est un peu particulier, parce que David Lynch tire sa révérence. Et ça va être très émotionnel. Ça va être très émotionnel, c'est pour ça du coup aussi qu'il réalise tous les épisodes de la saison 3, ce qui est très important pour 18 épisodes. 18 épisodes, vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, à propos de ça, il dit « Je n'ai pas réalisé une saison de 18 épisodes, j'ai réalisé un film de 18 heures. » Ça en dit long quand même sur les ambitions de David Lynch. Et du coup, de quoi va parler cette saison 3 de Twin Peaks? Et ben, du coup, l'entrée dans l'ère moderne du coup de...
bah, du coup de la série, parce que les années 90, c'est loin, il n'y a pas Internet, il n'y a pas... Ouais, est-ce que les personnages vont user des téléphones, des ordinateurs... Ce qui n'était jamais fait dans toutes les œuvres de David Lynch, qui était vraiment resté très terre-à-terre, et là, on va peut-être s'envoler un peu plus loin, voir les environs de notre ère moderne, voir comment David Lynch a réussi à faire tout ça. Est-ce qu'il va la jouer Black Mirror? Bon, c'est un peu tôt. Un peu tôt. Il y a moyen. Est-ce que Twin Peaks va aussi parler de la vieillesse, parce que les anciens acteurs vont revenir avec les mêmes traits, les mêmes caractères, mais bon, avec la vieillesse en plus, hein, littéralement, il y a Big Ed, il y a Dale, il y a... Tous les personnages. Ouais, tous les personnages, quoi. Ils ont tous vieilli, même Bobby, lui, il a les cheveux blancs maintenant, donc c'est incroyable. Ouais, et James, c'est chauve. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc et même David Lynch va revenir, ça va être un vrai plaisir de le voir devant la caméra et derrière la caméra. On a les anciens personnages, mais on a aussi des nouveaux personnages. On les a vus dans les teasers, il y en a 3-4 qui se démarquent. Mais il y a aussi, au-delà de ces nouveaux personnages, il y a des acteurs aussi. Un casting de folie, je crois qu'il y a plus de 300 acteurs. Donc là, pour le coup, la ville de Twin Peaks va être au grand complet. Ouais. Alors, est-ce que c'est des éléments extérieurs de Twin Peaks ou des éléments intérieurs? Ça, c'est aussi... Alors moi, j'ai entendu dire que c'était peut-être une enquête devenue nationale. L'enquête de Laura Palmer. Parce alors qu'on sait qui c'est qui a tué, pourtant. Ouais, et voilà, c'est... Voilà. J'ai entendu ça, mais c'est pas ça du tout. Ça rend encore la chose, c'est incroyable. Et du coup, parmi les nouveaux acteurs, on a Naomi Watts, Monica Bellucci, Amanda Seyfried. Plein d'autres, il y a plein de noms qu'on a oubliés. Et du coup, voilà, c'est des acteurs fétiches qui reviennent aussi de David Lynch, c'est très intéressant. Donc Naomi Watts aussi qui joue dans Mulholland Drive. Et, voilà, donc c'est et on a oublié Laura Dern. Laura Dern, oui, elle aussi, l'actrice fétiche. Qui joue dans Sailor Lula, qui joue dans Inland Empire. Et... C'est tout. Oui, c'est tout. Ah non, elle joue dans Blue Velvet aussi. Et dans Blue Velvet aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Twin Peaks. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de regarder cette série qui est vraiment formidable. On est extrêmement fan. On avait de vous faire découvrir. Je crois que tu vas faire des vidéos en fonction de la saison 3. Je vais essayer parce que chaque soirée des épisodes, il y aura 2 épisodes par soirée, donc je vais essayer de faire une vidéo par soirée pour parler de ce qui se passe, peut-être des théories qu'il y aura sur la série et aussi du coup, voilà, de tout ça, quoi, de faire un petit truc assez rapide mais qui donne envie de regarder et qui peut tenir un peu en haleine son spectateur, voilà. Donc c'est à peu près tout pour cet épisode qui était peut-être pas trop mal. Regardez Twin Peaks, regardez des films, lisez des comics, lisez des romans, jouez aux jeux vidéo, regardez des séries aussi, c'est important. Donc voilà, c'est à peu près tout quant à Dita Press Fetish. Lars sauvera le monde. Ciao!